Salut à toutes et à tous, c'est SevenFold71 et on se retrouve aujourd'hui sur un jeu très spécial, enfin plutôt une extension de jeu plutôt assez spéciale qu'une personne m'avait demandé dans un commentaire de ma précédente vidéo sur Red Dead Redemption. Alors cette fois c'est non pas Red Dead Redemption, ça c'est Red Dead Redemption, mais c'est Red Dead Redemption Undead Nightmare sur PlayStation numéro 3, donc l'extension de Red Dead Redemption qui avait eu lieu pour, si je me trompe pas, c'était le Halloween. Donc on va aller regarder tout de suite ce qu'il faut que je fasse. Donc le truc un peu bizarre, c'est que, attends, je vais vous montrer juste quelque chose. C'est que regardez, quand vous allez dans les matériels, les trucs comme ça, les trucs d'hiver, et ben il n'y a plus le camp de base. Ce qui fait qu'en fait vous êtes obligé de regarder. Ah, je vais vous montrer vite fait, pendant que j'y pense. C'est que vous êtes obligé d'aller dans la petite cabane, donc qui se trouve miraculeusement bah, ici, de toute façon elle veut pas se trouver où, oh là là, donc c'est un espèce de bureau de shérif en fait. Et hop, vous êtes obligé de mettre rond, trajet express, et là vous avez bah, les villes que vous avez débloqué tout simplement, mais là je sais pas du tout, faut que j'aille. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que techniquement d'après mes souvenirs, voilà, c'était ce bouton là très très bien. Donc je vais appeler mon cheval, et malheureusement mon cheval, et hop, oh putain, voilà, très bien. Ah, grâce à mon cheval je peux pouvoir aller faire les missions. Alors attends, je vais pour ceci utiliser la carte. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin? Donc oui, bah attendez, je vais mettre un petit truc là-dessus. Voilà, très bien. Donc on va faire une petite virée. Bon bah sinon le jeu après reste à peu près pareil hein. Regardez, hop, on a toujours quelques armes fort sympathiques, même si les munitions sont un peu plus rares. Faut dire ce qu'il en est que dans Red Dead Redemption original. Le truc chiant, c'est vraiment que vous êtes obligé de faire des courses, enfin des longs trajets comme ça. Ça m'a un peu refroidi très honnêtement. Bah sinon c'est assez rigolo hein. C'est vrai que vous butez des zombies, etc. C'est vrai que c'est plutôt marrant, mais c'est chiant de faire autant de... Attends, c'est quoi le bouton carré? Je sais plus. Attends, faut que je me rappelle des touches. Bon, je me rappelle plus, on verra. Ah, mais je suis peut-être qu'avec un canon double coup, fusil à double canon. Ah oui, donc faut peut-être que je prenne la carabine, c'est peut-être plus intéressant. Ouais, je crois que j'ai encore une carabine en or. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, ni avec quoi. Mais c'est pas grave. Oh putain, il y avait une flanque là-bas, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Faut que je fasse attention à mon endurance parce que sinon le cheval va tomber en... Oh merde, bah voilà ce qui est en train de se passer. En plus ma manette que j'ai là ne possède pas de vibration comme j'ai déjà expliqué. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi que ce truc? Oh d'accord, c'est un sanglier zombie en fait. C'est assez original, ma foi, pourquoi pas. Là on a des espèces, des animaux assez... C'est quoi ça? C'est un rocher, donc tout va bien. Ne t'énerve pas pour rien, tout tranquille. C'est quoi ça encore? Putain mais c'est bizarre, on dirait des animaux les rochers quoi. Genre le truc... Ah, je crois que c'est en bas, donc on y arrive. Oula, je me suis trouvé... Bon, complètement trompé de bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper la route. Alors attends, si je peux passer par là, voilà. Parfaitement parfait, nickel. Oh putain, attends, j'ai plus de vie là. Ouh. Voilà, 10 villes que vous n'avez pas encore visitées ont été ajoutées à votre carte. Ah, fort intéressant. Ça, c'est assez bien fait, ça, les villes où il faut les désinfecter. Elles peuvent se refaire réinfecter. Attends, c'est quoi ce bruit que tu entends, là? Je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est la chapelle. Donc là, y aurait-il un cimetière, visiblement, à désinfecter. Donc on va aller voir. Je pense que c'est à peu près ça, ce qu'il faut que je fasse. Ah, d'accord, brûler le cercueil, très bien. Il est où, ce con de cercueil? Il est là. Brûler le cercueil. Ok, on va se dépêcher d'aller brûler tous les autres. Allez, avant que je me fasse assaillir de méchants. Brûler les cercueils qui restent. Voilà, donc ça c'est des missions que vous devriez faire plus ou moins souvent. Brûler des cercueils pour tuer les morts vivants, ça vous donne des munitions. En plus, c'est fort sympathique. Allez, on se dépêche, on se dépêche avant que je sois assaillé de zombies. Mon dieu, j'ai l'impression de me croire dans Walking Dead, même si je n'ai jamais regardé cette série, c'est plutôt pas mal. Voilà, je la conseille à tous ceux qui ne l'ont pas regardé, parce qu'apparemment c'est une série qui est très très bonne. Mais bon, moi je ne l'ai pas regardé. Et je vais me dépêcher d'utiliser mon sang-froid pour pouvoir les tuer, et bim. Et... Oh, oh. Tiens. La prochaine fois, tu feras attention à qui tu t'attaques. Toi, pousse-toi, je t'ai pas envie de te causer, je te connais pas. Tu m'approches pas, tu ne me bouffes pas, je suis pas à manger, je suis périmé. De toute façon, tu verras, je suis pas très très bon, voilà. Soit peut-être marrant qu'il fasse revivre John Marston dans ce truc en espèce de zombie, tu sais, puis tu dois tuer tout le monde. Enfin, parce que tu meurs dans Red Dead Redemption. Oh mon dieu, le spoil! Je suis un peu tout spoilé tout le monde là, je suis un peu navré. Hop, n'écoutez pas ce moment de vidéo. À moins que je mette un gros bip. Oh, oh, t'es pas mort toi? Est-ce que je peux le... La... Ah, ah! J'ai cassé ce pince. Non, je vais me faire croquer tout dur. Oh là là, j'ai pas envie. Attends, je vais prendre un petit flingue. Non, le flingue, je dis. Hop, pif. Paf et paf. Hop. Adios, amigo. Hey, hey, comment allez-vous? Un peu moins bien maintenant. Oh, bah fallait pas te lever, toi. Oh merde, je suis complètement chié dessus. Bonjour, au revoir. Ça fait plaisir de t'avoir connu. Ce fut un énorme plaisir, mais malheureusement, nos chemins se croisent ici. Ciao, bonsoir.
Dieu, mais t'as l'air... Ouh là là, il a l'air fin fou, lui. Mais casse-toi. Dieu, t'as ta faim, toi, ou quoi, mon pote? Retourne au cimetière. Mais tais-toi. Oh, oh, merde. Oh là là. Attends, on me tire dessus, ou quoi? Non. Oh là là. Je vais changer d'arme. Oh, je suis coincé. Je suis dans la merde. Hop. Ah, mais fous-moi la pète. Hop. Esquive. Oh là là. Y'a du monde. Ah, mais j'ai plus de sang-froid. Mon Dieu. Je n'ai plus de sang-froid. Je n'ai plus de sang-froid. Faut que ça remonte. Parce que sinon, ça va être juste très compliqué. Mais en fait, il me casse les couilles, celui-ci. Ouh là là. Ouh là 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 là. Bon, après, si tu leur tires pas dans la tête, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Tiens. Tiens. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu, c'est la reine des neiges. je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Parce qu'elle est... Ah, puis elle chante en plus. Oh mon fuck des shit. Alors attends, tuer Miss Horlick et les morts vivants qui restent. Ok, très bien. Donc j'ai déjà situé Miss Horlick qui est là. Voilà, je crois qu'elle a plus cher, la pauvre. Et puis là, putain, t'es gros et t'es gros et pas très beau, donc du coup je tue. Voilà. Tac, nickel, allez, vas-y maintenant, je vais fouiller 2-3 morts vivants. Bon, je crois qu'il est purifié, mais je suis pas sûr. Voilà, coup de chapelle purifié, très très bien. Par contre, je crois que ça ne revient pas. Et c'est très bien aussi. Ah voilà, à moins qu'il faut que... Je sais pas en fait, je dis ça mais j'en sais absolument rien, je sais pas du tout. Voilà, donc j'ai pas énormément joué au jeu, hein. Je dois avoir une heure ou deux dessus, je sais pas. Attendez, on va aller voir dans les stats, tiens, pendant qu'on y est, je crois que c'est écrit. Oups, non, c'est en dessous. Les stats générales, voilà, donc j'ai 1h07 de jeu, toujours passé 7, voilà, donc vous voyez que je n'ai pas forcément une très très grosse expérience de ce jeu. Voilà, par contre Red Dead, je l'ai séché. Je veux dire, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Alors... Où c'est qu'ils sont? Normalement, il y a des zombies pas loin. Ah, d'accord, il est derrière, parce qu'on peut récupérer des munitions sur certains, donc ça, c'est intéressant. Hop. Ah bah, regardez, tiens, voilà, munitions de revolver. Ouh là, il y en a un paquet à la mort. Et je crois que j'ai dégoté le gros lot. C'est ici que j'ai dû faire un putain de carnage de fou. Tac, oh, vas-y, il me donne rien, toi. Vas-y, toi aussi, tu me donnes... T'as à me donner quelque chose. Putain, tu crois que je m'attends à donner... Tiens, okay, je le loupe en plus. Hop, ok. Très bien. Ah, oh, 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 oh. Je m'en vais un peu tard là. Voilà. Reviens. Allez, fouille là. D'accord. Très bien. J'ai cru qu'il y avait triangle. Très bien. Très bien. Allez, viens avec moi, mon dada. Il est où, dada? Allez, viens. Putain, j'ai de quoi faire munitions là. Par contre, du coup, ça c'est cool. Hop. Parce qu'en fait, si vous avez plus une munition, vous pouvez toujours essayer de sauver une ville et ça vous redonnera quelques munitions, bien entendu, mais pas non plus. Je sais pas combien. Je me suis trompé de touche. Voilà. Ok. Ah, bah attends. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, dîner en tête à tête, et ça c'est quoi? Station inconnue. Ah bah regardez, c'est nickel. Attends. C'est quoi ça aussi? Station inconnue, non, je suppose. Regardez, on va aller là. Très très cool. Ah, ça je suis content parce que du coup on va peut-être pouvoir libérer une ville. Hop. Et voilà, vous pouvez donner, je crois, des munitions à des gens pour aller plus vite au lieu de tuer tous les zombies, mais bon, c'est chiant parce que vous donnez des munitions, donc après vous en avez un peu moins, et c'est moins pratique pour tuer des zombies, n'est-ce pas? Ah oui, par contre, je sais pas, pour ceux qui ont joué à ce jeu, y a-t-il des magasins ou trucs comme ça, puisque je n'ai encore pas trouvé, en une heure de jeu, j'ai toujours pas vu de magasin, donc à quoi ça sert de récolter, comme là j'ai récolté des coquelicots, donc excusez-moi mesdames et messieurs, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de récupérer des coquelicots? Est-ce que là j'ai une ville à sauver? Excusez-moi. Visiblement non. Je ne comprends pas. Ah si, logiquement, je pense que c'est le point d'intérêt là-bas. Attends, on va aller voir. On va aller voir le point d'intérêt. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, au revoir. Salut, ciao. Est-ce que c'est toi? Par contre, vous allez pas me bouffer vif, non? Dégage. C'est ça que je trouve chiant dans le jeu. Pas aller aux survivants pour savoir quoi faire. Ah bah attends, il y a des survivants pas loin. Très bien. Pas aller aux survivants pour savoir ce que vous pouvez faire. Putain, il y a des zombies qui... Oh là là, mais il y a du fou, il y a même un chien zombie, quoi. Sécurité de la ville. Au secours! À l'aide! Help me, bro! Ah, je suis en train de prendre feu en plus. Ah, c'est malheureux à dire, mais c'est triste. Je sais pas si je suis au bon endroit. Ouh, putain, c'est un peu inquiétant, mon bordel. Ouh là là! Excusez-moi, mais par contre, ça prend feu dans le coin là. Vas-y, monte! Ah, ouch! Excusez-moi, bonjour, au revoir. C'est moi, j'ai pas mal. Je crape à feu, ce n'est pas la peine d'essayer. Putain, vache. Bonjour, au revoir, salut. Toi aussi visiblement t'aimes pas le feu, donc je te suis quand même. Tiens, toi bonjour, au revoir aussi. Et si je récupère une mine là, tac tac tac, voilà si je peux. Très très bien, une mission de revolver. Je suis tranquille un peu là. Je sais pas. Je sais pas tout comment. Je gagne des munitions de revolver, c'est très très bien, mais. Parce que
Je cherche, j'utilise donc le revolver. Hein. Ok, très bien. Des zombies là encore, visiblement. Hop, tiens. Hop, tiens, voilà. Oh là là, il y a du monde là. Ouh, mon dieu. Voilà, très très bien. Bonjour, au revoir, salut. Je me casse. Au revoir. Excusez-moi, je ne voulais pas vous enfoncer. Je suis désolé. Attendez, laissez. Dormez, dormez, dormez. Je ne veux pas de balles. Tout va bien. Oh putain, la vache. Vas-y, on va déjà tuer tout ça là. Voilà. Ah, c'est bon. Par contre, vous êtes vraiment chiant. Donc, si tu peux être. Oh, au secours, mais protégez-moi. Je suis tout seul contre plein là. Bonjour, au revoir. Attends, comment on monte au-dessus là? Comme ça, je pense. Bonjour. Excusez-moi. Vous m'atteindrez plus. Vas-y, je vais parler à lui là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Donnez 5 munitions de carabine. Vas-y, tiens. Mais vous allez voir que ça fait augmenter les petits traits et c'est pas plus mal. Donc, lui, qu'est-ce que tu veux, toi? Donnez 5 munitions de carabine. Voilà, donc là, logiquement, voilà. Je vais donner encore quelques. Oh la vache! Tac, voilà. Donc là, vu que j'ai gagné 2-3 trucs, vous êtes en train de. Oh, mais je m'en fous, hein. Ah non, mais je leur en laisser un peu, mais ils peuvent se gratter, les mecs. C'est mille munitions. Ils se démerdent avec. Ouais, vous voyez tous les petits trucs verts. Oh! Il y a des petits points verts qui sont apparus, c'est toutes des caisses de munitions. Oh, ah, j'ai plus cher. Ah, ah. Au secours. Je prends feu. Je suis le Ghost Rider. Ah oui, là, c'est mouvementé par rapport au premier Red Dead, hein, ça c'est clair. Enfin, premier Red Dead. Premier, enfin, au truc qui n'est pas l'extension, le vrai jeu original, je tiens... Ah, il y a des gens en cheval. Oh, en cheval, en cheval. Oh, non. Laissez-moi voir tranquille. Vous ne m'aurez pas. Vous ne me mangerez pas tout cru. Tiens. Tiens. Plutôt aussi, tiens, tiens. Voilà, très bien. J'ai plus de sang-froid maintenant, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais courir en hauteur. En attendant. Bonjour. Vite. Monte. Je ne peux plus monter, c'est génial. Oh, vite. Ah, c'est bon. Oh, putain. Oh, j'ai trop de la chance, là. Ouh. Bonjour. Ah merde, j'en suis retombé comme une merde. Mais pas vraiment où il faut parce que... Je suis coincé en plus. Je suis coincé. Je suis coincé. Je ne sais pas comment faire pour tuer sans sang-froid. Mais casse-toi toi. Oh là là, je suis un peu... Tiens, voilà. Mais casse-toi toi aussi. Foutez-moi donc la paix, bande de chèvres! Tiens, toi, avec ta grosse tête là! Oh, tu les restes des morts vivants! Oh, bonjour, au revoir! Oula, je me fais croquer, je me fais prendre feu, je. Oui, tcha. Voilà! Putain, t'as encore la reine des neiges numéro 2, toi! Ok, hop, très bien! Je crois qu'il y en a un qui arrive par là. Oh, c'est des trucs chiants. T'es mort? Ah, t'es pas mort encore. Ouf! Ouh, it's hot! Je crois qu'il y en a un qui est pas très loin. Ah oui, il est là. Tiens! Ah, bien, 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 bien. Là, on fait mal. Là, on fait mal, là. Là, on reprend le pouvoir un peu sur vous, là. Vous ne pouvez rien faire contre nous. Nothing! Nothing! Tiens! Je suppose qu'il y en a un à l'intérieur. Et le dernier. On va le faire cramer, le dernier. Il est où? Il est au-dessus. Ah bah il est mort. Très bien, bonjour. Je n'ai servi absolument à rien, mais il est mort. Ok. Très 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 bien. Nickel, bah voilà, j'ai sauvé une ville, ça fait plaisir. C'est laborieux, mais on a réussi. Donc là, je vais aller chercher tout de suite mon colis qui est au-dessus. Cette ville est sauvée, il ne peut être toujours vivant. Voilà, vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Hop, très bien. Allez, vas-y, ouvre le coffre, mon cher John Marston. Par contre, ça c'est très très bien qu'ils aient mis John Marston en héros. Ça, c'est vraiment énorme. Parce qu'ils auraient pu très bien remettre l'autre pignouf de fils, là. Franchement, quelle idée de nous faire changer de personnage dans Red Dead Redemption. Il y a peut-être un moyen de récupérer John, hein, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, c'est assez débile, je sais pas, un code ou quelque chose. Même si j'ai rien contre Jack Marston, son prénom de même, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas John. Et ok, donc là, je récupère pas mal de munitions. Bah, je vais aller là, parce que je suis à côté, hein, donc tant qu'à faire.
Ok, où c'est qu'il y a les étages? Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, salut, je viens braquer la banque. Oh, il y a un coffre là. Ok, très bien, je peux pas l'utiliser. Comment je monte dans ce pays là? Il y a même pas une échelle, quelque chose là? Ah, très bien, ici. Non mais, s'il te plaît, oh, tu m'écoutes? Attends, j'ai déjà rangé le feu là, parce que ça, visiblement ça te réussit pas le feu, voilà. D'accord, je peux peut-être pas monter sur cette caisse, hein, va savoir. Je ne pense pas pouvoir monter sur cette caisse. En plus, je prends feu, c'est miraculeusement magnifique. Ah, bah voilà, j'avais raison, on peut monter quelque part quand même. Allez. Ok, très bien, il est là, le coffre. Il est là, le coffre, le coffre. Hop. Ah, vite, vite, vite. Et c'est tout ce qu'il y a comme coffre? Non. Dis-moi pas qu'ils sont si radins que ça, parce que dans les villes, j'ai une ville, il y en avait un sacré paquet. Ah, très bien, il est là-bas. Vas-y, je saute. Je saute tel un. Oh! Putain. Et mais le mec, tu vois, d'une souplesse extraordinaire, il atterrit de boum, il se laisse peser son poids comme une grosse merde. Ok, très bien. Allez, salut. Tiens, voilà, je te prends ça. Mis sur revolver, mais ils aiment bien les revolvers. Hein. Moi, je voudrais juste la carabine parce que j'en ai quand même 100 et quelques munitions de carabine, mais bon, voilà quoi. Ils me donnent rien, ces enculés. Tant pis, toi, dégage. Tu veux rien me donner? Eh ben, je te donnerai rien non plus. Hop, ok. Ils sont rancuniers, les mecs. Tu les tues, mais ils te donnent rien. C'est bande de saloperies. Oh, voilà, encore des revolvers. Très, très, très bien. Donc là, il y a un étranger pas loin, donc on va aller tout de suite voir qui c'est. Moi j'y vais à pied puisque je suis un fou, ça fait du sport un peu, ça fait du bien. Allez. On va tout de suite aller voir ce qu'il raconte. Et on va changer d'arme. Voilà, on va prendre ma petite carabine puisque je l'ai bien ma carabine. Je ne sais pas par contre du tout. Ah, il est là-dedans, très bien. Ah, bonjour. Ah non, d'accord, il n'y a plus personne. Welcome to paradise. Hello, Marshall. Might have known you'd survive. What's going on? Do I look like I commune with the undead? Well, no. Well, then how would I know? My job is to take care of the folk who live here. Oh, you heard that one. How's that going? How's that going? Well, let me put it to you this way. Cattle rustling and bank robbery are at an all-time low. But murder, blood drinking, and psychotic episodes seem to be somewhat prevalent. Either that, or I'm dreaming. That's what I'm hoping, too. How was it getting in here? It was crazy. Oh, they must be hiding again. They come in and then just disappear. Town's been nearly overrun a couple of times. Now we're low on ammunition, and I'm two men down. I'll help you clear the place out if you like. You're a good man, John Marston. But before that, I'm gonna need my deputies back. What happened to them two clowns you had before? Gone? Maybe. I sent Jonah off to look for Eli. They've both been gone for several hours now. Who'd want to eat one of them? That's a good question. Where'd you send them? Out near the general store. Jonah's got one of these new guns. I'm sure he can't run into any trouble. These things, they'd stop an elephant. Thank you. No, thank you. I'm sure you got your own troubles. Ok, très bien. Donc, il faut chercher Jahan à Maradio et aux alentours. Très, très, très bien. J'ai que ça à faire, du genre chercher des gens, quoi. Non, mais normal. Alors, attends. Carte. Ah, d'accord, Armadillo est pas loin, en fait. Armadillo et aux alentours. Putain, mais ils peuvent pas dire un truc plus précis que aux Armadillo et aux alentours. Non, non. Et je sais même plus c'est quoi leur nom. Jonah et quoi, je sais plus. Alors, attends. C'est qui ça? Dîner en tête à tête. Et pourquoi j'ai mis un point dessus alors que je suis à côté? Non mais sérieux. On va aller. Alors attends. Hop. S'il y a une cinématique, je la couperai. Hein, ça ira plus vite. On va voir déjà ce qui. Hey, l'ami, salut. Salut. Ah bah d'accord, en fait c'est ça.
They sound like Jews. I don't know. Why? Why? This whole thing is nothing but a Jewish plot. Ils sont pas très gentils, hein. You do know that, don't you? I find that highly unlikely, amigo. Well, I don't. J'aime pas les Juifs. D'accord, ok, très bien. Ni les gens de couleur, ben au moins. Ni les Indiens. Il est une personne, en fait, le mec. Now that you mention it. T'aimes bien les Français, moi, non? Je sais pas. You're a nice, kind-hearted man to meet in a time of trouble. Kind does not come into it. Par contre, il aime bien les séraculeurs. Bah, ça n'a rien, pas de problème, c'est le mec. I bet you like Catholics. Je peux pas les voir non plus, Ben. Le mec, il aime personne, ni les femmes. Ah ouais. Fabian, socialists, homosexuals, Asians or British. Ah bah ça va. Between them, they've ruined this country. Il a pas dit les Français, donc ça va. Now people are eating each other, and it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Well, I for one won't stand for it. Have you ever met a Jewish person? Thankfully not. Heureusement que non. Oh l'enculé quand même. British, Catholic, homosexual. Not in my store. Oh, I get it. I see you acting clever. Well, let me tell you this. The Jews killed Lincoln. That's why there is a triangle of money. And they run Europe like one of them Arabian harems. Il a un peu teubé là maintenant. Now they've sent this here plague to kill all us decent folk. Yep. Ah d'accord. You, sir? Are truly. Pour lui, c'est les Juifs et tout le bordel. Ok, très bien. I must say, it's a rare pleasure to meet someone with such a grasp on human history. You take care of yourself. I'd hate to see you get savaged by someone and watch the life force drain from your hate-filled body. Hey, hold on there. Why don't you join me in my fight, sir? It's not too late. I fear it is for me. Then I will fight them alone. All of them. America is the land of the free. That means free to people like me, Herbert Moon. Absolutely. Ah, bah voilà. Je crois que t'aurais. Je crois que lui n'aurait pas dû critiquer tout le monde, voilà, forcément. Que le mec il le laisse faire. Ah bah voilà, je crois qu'il prend cher le truc. Au revoir. Salut. Oh, il y a ce travail. Il peut pas les tuer l'autre? Non, parce que juste comme ça il va devenir méchant, hein. Donc faut que je le bute, de toute façon j'ai pas le choix. Voilà, hop. Voilà, j'ai tué le mec qui n'aimait personne, ça fait plaisir. Ah, je suis content de tuer des gens de temps en temps comme ça, ça fait du bien. Ils sont tous morts? Je sais pas, on va fouiller un peu tout le monde là. Tac. En tout cas le bono il a pris cher, hein. Très bien, j'ai gagné plein de trucs. Oh, monsieur Trivaler, ouais, cool, yeah. Yes. Attends. Non, pas ça, la carte, s'il vous plaît. La carte, j'ai dit. Merci. Oh, ok, d'accord. Ouh là là, alors attends. Tac. Ah, mon dada, il est là. Elle vient. Oula, petit rototo. Ah, très très bien. Donc. Ils sont par là, mais où? Donc, ouais, on vérifie un peu partout, hein. Hop. Oh. Oh, fuck. Hello, boys. Marshall sent me, need some help. Guess you got other plans. Seriously, enjoy your meal, no problem. Oh, ce travail. Bon, moi je crois que vous êtes mort, mais je suis pas sûr. Easy now, gentlemen. Remember all the fun times we had? C'est triste. Sachez que ce n'est pas personnel. C'est comme dans tous les films. Sachez que ce n'est rien de personnel. Bon, bah je crois qu'ils sont morts. Comment vais-je pouvoir annoncer ça au président de la République? Alors attends, il y avait un point bleu par là-bas, je sais pas du tout ce que c'est. Oh putain, l'élan. Oui, bam. Oh, une espèce de collade bizarre là. Ça fait du bien par où ça passe. Alors attends, tac, ici où ce fameux bureau, c'est le M. Ouais, je pense que c'est le M, comme Marshall. On va aller voir, hein. De toute façon, ça va vite être là. Hop, ta-ta-ta-ta-ta. Très très bien, donc j'ai fait pas mal de trucs que je voulais faire, donc c'est plutôt cool. 2-3 missions, une ville de protéger, voilà, et un cimetière de purifier, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bah, qu'est-ce qui se passe maintenant là-dedans? Hello, John. Salut. Hello, Marshall. So, you find the boys? I found them. I understand. I hope it was fast for them. Fast.
and they died with their bellies full. Well, one of them did. Good. That there's Jonah's gun. Here, you keep it. After all, you earned it. Thank you. Take care of yourself, John. You too, Marshal. Parfait, très bien, voilà. Dîner en tête à tête, mission accomplie. Génial, génial, génial. Cool, une mission de plus à mon actif dans ce jeu. C'est magnifique. C'est magnifique. Combien de temps de vidéo? 25 minutes. Donc je vais pas tarder d'arrêter là. Je vais juste vérifier un petit truc. Non, pas ça, je m'en fous de ça. Voilà, c'est ça que je veux. Ah oui, ça fait très très loin. Je me suis dit pourquoi pas purifier un autre cimetière. Genre ça, là, tu vois. Mais ça fait loin, et ça, ça fait loin aussi, donc je pense du coup que je vais arrêter la vidéo maintenant. Et les cauchemars d'outre-tombe. Ah, bah ça, c'est le titre du truc. C'est quoi ça? L'abominable homme des collines. Et ça, c'est le déterminant de vigation. Bah là aussi, en fait, tous les trucs... je sais pas si dans la ville, là, on y va en bas. Bah certainement que si, vous allez me dire. Voilà, donc bon, bref, hop, on va se quitter. Donc là-dessus, je vais juste chercher mon cheval. Il est où, mon cheval? Il doit être par là, hein. On va le laisser venir. Allez, viens là, vite, 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 s'il te plaît. Oh. Allez. Bordel. Ah, le voilà. Très très bien. Allez, viens. Non, mais pourquoi tu te sauves? Ça, c'est chiant, ça. Voilà. Bon, je vais me sauver de cette ville qui, pour le moment, ne m'offre plus rien du tout. Hop. Voilà. Allez, saute par-dessus. Très bien, bravo. Félicitations. Voilà, donc bon, je vais arrêter la vidéo maintenant, puisque je ne pense pas que vous voudriez voir un passage de 2000 km. Donc, si vous voulez une vidéo sur ce jeu, franchement, dites-le moi, ça me ferait grandement plaisir, ça me gênerait pas du tout. Et puis voilà, donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, que vous aurez pris du bon, que vous aurez passé un bon moment en regardant tout ceci. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye!